Dubaï, Porta Potty. Laissez-moi s'il vous plaît me concentrer parce que c'est le scandale de l'année. C'est l'affaire qui remue toute la toile actuellement et qui secoue le milieu des influenceuses tant en Afrique qu'en Europe. Le scandale Dubaï, Porta Potty. Tout est parti de vidéos postées sur Twitter où on voit des filles accepter des pratiques ignobles en échange d'argent. Hey. Par la suite, le témoignage d'une ancienne Miss africaine a jeté le pavé dans la mare. La jeune dame a reconnu avoir travaillé comme escort girl à Dubaï et s'être soumise à des pratiques que nous ne pourrons vous relater ici. À sa suite, plusieurs autres jeunes filles, des blogueuses et influenceuses, ont également reconnu avoir fait partie de ces réseaux de prostitution animés par des milliardaires à Dubaï. Les témoignages font froid dans le dos et les pratiques décrites sont tout simplement ignobles. Des influenceuses de tous les continents et des stars de télé-réalité s'adonnent à ces horreurs en échange de sommes d'argent pouvant aller jusqu'à 50 000 $ la soirée. Aux dernières nouvelles, l'influenceuse ougandaise Mona Keys, dont les vidéos avaient fuité sur les réseaux sociaux dans ce scandale, s'est donné la mort en se jetant du 7e étage de l'hôtel Al Fahad à Dubaï. Ça reste une évidence. Pour l'instant, je pense qu'il y a encore des enquêtes. Il y a des gens qui disent que c'est parce que ça, comme on a vu là, que donc elle est partie. Il y a d'autres qui disent que c'est parce que elle sait qu'il y a des vidéos qui allaient sortir, donc elle n'a pas pu supporter et puis elle a sauté. Mais en tout cas, on en saura davantage. Mais c'est le lieu d'interpeller nos petites sœurs. Nos petites sœurs qui envient toutes ces stars sur les réseaux sociaux. Les filles, quand vous nous voyez à la télé là, ou bien quand vous voyez les filles à la télé ou bien sur Internet, c'est vrai, on se gère, il y a jetons dedans. Mais on n'est pas mieux que vous. Nous aussi, on est des hommes, on paye facture. Il y a des moments où c'est chaud. Il y a des moments même là où tu es obligé même d'aller prendre crédit. Mais on ne vous montre pas ça. On ne vous montre pas ça. Ils n'ont qu'à vous montrer ça pour vous dire que la vie là, tout n'est pas rose. Moi, il y a des moments là, je m'ai loué habit pour aller faire photo, n'est-ce pas? Il y a des moments, je m'ai loué des coins pour aller faire photo. Willy, est-ce qu'il s'est entré la vendeuse de placali là, te cherche même? Je lui dois de l'argent. Ah, oh. Il y a des fois même là, tu vois même manger même, tu sais que toi, ton âme ne peut pas acheter ça, mais tu t'as demandé, tu donnes 1000 francs. Donc, à te laisser devant le plat, tu fais photo et puis maintenant, tu postes sur Internet. Les gens vont penser que ton argent a augmenté pour manger ça, mais tu ne manges pas ça. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Travaillez, cherchez votre argent à la sueur de votre front et non de vos fesses. Vous serez fiers de vous-même. Parce que vraiment, là, ce que nous, on voit actuellement là, on n'a même plus envie de faire enfant parce qu'on s'est dit c'est que demain, c'est gâté. C'est pas à faire. C'est pas à faire, les filles. Sciencez. Quand on voit ça là, il ne faut pas me donner enfant. J'aime les femmes, mais il faut me donner garçon. Garçon aussi là. C'est bon, il y a mes terres. Ce que tu veux me donner, il faut me donner. Le Lys Sassandra et la Sec Mimo créent l'événement. Ouais. Un mot de sport dans cette émission. Ce week-end a été marqué par le match qui opposait le Liman Yakuba Silla de Sassandra, plus connu sous le nom de Lys de Sassandra à la Sec Mimosa. C'était le dimanche 1er mai. Cela faisait longtemps que le championnat national n'avait pas connu un tel engouement pour un match. Le stade Champroux était plein à craquer avec une foule encore plus nombreuse au dehors qui n'avait pas pu avoir accès au stade. Plusieurs influenceurs tels que Apuchou National ou encore Stony ou encore Hassan Hayek étaient dans les gradins pour suivre les nouvelles stars du football local. La légende de Chelsea, Gbagba Dey, Didier Drogba, comme les Français le disent, Thaïs Zoko, a même effectué le déplacement pour aller suivre ce match. La partie a démarré sur des chapeaux de roue, avec bien sûr un but du Lys de Sassandra. Je fais ça comme si j'étais en train de commenter un match. À la 7e minute, on applaudit. En deuxième période, la SEC revient au score et réussit à aggraver la marque à la 54e et 57e minute. But! Le match s'est achevé sur la victoire des Poulains de Roger Wenyen, 2-1. Mais ce qu'il faut savoir et il faut retenir, c'est que ce regain d'amour pour la jeunesse, pour le football local, c'est super bon. On espère que les choses vont continuer dans ce sens. Merci, c'est le sport ivoirien qui gagne, n'est-ce pas? Oui! Au moins, quand c'est comme ça, on dit « n'est-ce ». Ah. Siriki Diabaté triomphe au Palais de la Culture. C'était l'événement musical
de ce week-end. Le concert de Sidiki Diabaté à la salle Adoumabo du Palais de la Culture, un concert qui a été annoncé sur notre plateau ici la semaine dernière par l'artiste lui-même. Alors, la force de frappe, et ça franchement, il ne faut pas s'ématier. Le seul plateau, il est venu. On n'a même pas fait même affiche. Il a lancé ça ici, il a chanté un peu. On a pleuré, puis en même temps, le Palais de la Culture était... Avec votre nouveau jus de fruits naturel, Priscilla, vivez fruité. Ouais. Alors, non, c'est bon. Sinon, les sociétés vont te lancer ça. Le spectacle était un immense succès avec un public venu nombreux communier avec sa star. Notons surtout que ce concert a été marqué par la montée sur scène de Badro Escobar. Badro Escobar, Saramba Junior, bien sûr. En compagnie de quelques membres de la Yorogang Bouyaka Sal. Celui qu'on appelle le Chinois blanc avait une statue à l'effigie de Didier Arafat. Grand moment d'émotion au Palais de la Culture, regardez. Sidiki, la statue de Didier, elle est prête depuis un an. Et ce que j'ai voulu faire, c'est de la positionner sur le lieu de l'accident. De l'État de Côte d'Ivoire, de la mairie de Cocody. Si vous êtes avec la Chine, si vous êtes avec moi, criez! Sidiki, tu es mon frère. Tout ce que je demande, tout ce que les Chinois demandent à l'État de Côte d'Ivoire, à la mairie de Cocody, de donner notre autorisation pour pouvoir positionner la statue de Didier Arafat. Non-statue. Didier restera l'artiste ivoirien le plus influent. Applaudissements. Voilà. Bravo à Sidiki Diabaté pour ce très beau spectacle-là. Belle initiative en tout cas. Bravo Badro Escobar et toute la Chine. À la prochaine en tout cas. Tu sais bien que la Côte d'Ivoire, c'est ta deuxième maison. On est ensemble de tout cœur avec toi. Allez, bon vent. On t'aime, cher frère Sidiki Diabaté. Allez, la famille, avant de passer, je vais lancer un appel. Allô? Il y a longtemps, mon téléphone n'a pas sonné. Bipez-moi. Oh! Hey! C'est bon. Merci, Versa. Allô? Voilà, c'est maintenant que tu as parlé, bonbon. De là, tu ne bipes pas les gens. Hein? Taloa a encore rampé. T'as la vidéo. Faut envoyer. Ouais. Daloa, je sais plus quoi parler, mais tu m'as donné une inspiration. Dans la vie, quand tu n'as pas les moyens, tu es tenté d'aller à Dubaï pour faire des choses. Mais attention, ne nous voilons pas la face. Il n'y a pas que Dubaï, c'est parce que là-bas, ils ont montré. Sinon, partout dans le monde entier, les choses comme ça existent. Mon ami, si tu n'as pas l'argent, faut pas envier. Tu viens, tu te couches. Pourquoi? Ramper est mieux. Ah, rampons. Pourquoi? Il y a là un dedans. Hey, rampons. Ramper. Pendant ce temps, voyez l'argent là, qu'est-ce qu'il y a? Je me salis cadeau. Il y a là un dedans. Oh, le roi! Spécial dédicace au roi Douche. Grâce à toi, on est devenu des rampeurs. Merci beaucoup, Daloa. Tu nous as inspirés. Calmez-vous, c'est moi qui donne le top. 1, 2, 3.
3, ramper est mieux. Pourquoi ramper? Regardez, j'ai eu beaucoup d'argent. Y'a là un d'état. Y'a là un d'état. C'est mieux que voler, oh. Ah, ramper est mieux. Toi, tu m'as donné ton argent là, c'est bon. Y'a là un d'état. Quitte ici. Quitte ici, oh. Quitte ici. Envoyez tous autres.